God bless you all. It's a great privilege to be back in the house of the Lord. And we are so thankful to God that restrictions are being lifted and we can start having church. I know we are starting with a small number of people, but we are thankful to God that we can start enjoying our summer as conditions are getting loosened. Amen. So let's sing again. I surrender all to the Lord as we get ready to pray. Just raise your hands unto the Lord. Si vous avez une requête de prière, élevez votre main vers le Seigneur. He sees your heart. Il voit votre cœur. And he knows what you have need of. Et il sait ce dont vous avez besoin. Our gracious Heavenly Father. Gracieux Père Céleste. We thank you for your love and grace. Nous te remercions pour ta grâce. For the opportunity you've given us to be in your presence. Pour l'opportunité que tu nous as donné d'être dans ta présence. Father, you have protected us all along the day. Père, tu nous as protégés pendant la journée. And now you brought us together. Et maintenant, tu nous as amenés ensemble. Lord, we pray that the Holy Spirit may bless us. Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit nous bénisse. With the Word of God. Avec la parole de Dieu. We thank you for all that you've done unto your children. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour tes enfants. Who have graduated. Qui ont conféré. Who have graduated. Qui se sont conférés. Lord, we thank you for your love. Seigneur, te remercions pour ton amour. And your support. Et ton appui. And the strength you've given unto them, Lord. Et la force que tu leur as donnée. Now, Father, we know we want to look at things on the spiritual side as well. Seigneur, nous voulons aussi voir les choses de la façon spirituelle. Let your Holy Spirit just break the word for us. Que ton Saint-Esprit puisse décortiquer la parole pour nous. Take me out of the way, oh God. Ôte-moi du chemin, Dieu. Bless the musician. Bénis le musicien. Interpreter. L'interprète. And your children. Et tes enfants. Wherever they are. Où qu'ils soient. For those who have raised their hands, oh God. Pour ceux qui ont élevé leurs mains. We pray that you grant unto them the desire of their heart. Nous prions que tu leur accordes le désir de leur cœur. In the name of Jesus, we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Let's take Psalm 301, Wonderful Words of Life. That's what we are here for. Sing them over again to me. Wonderful Words of Life. 301. Wonderful words of life.
life. My mind, Jesus is mine. It's a simple song. We don't have it here. Feeling so much better.
Père Céleste. We thank you, Lord. Nous te remercions, Seigneur, for this wonderful moment. Pour ce moment merveilleux. As we did sing, Lord. Comme nous avons chanté, Seigneur. You've surely been good to us. Tu es vraiment bon envers nous. When we can count our blessings. Si nous devons compter nos bienfaits. Oh Lord, we have no words to express our gratitude. Seigneur, nous manquons de mots pour exprimer notre gratitude. Father, we thank you for your protection. Père, nous te remercions pour ta protection. Under this pandemic. Sous cette pandémie. How you have kept us and all your children. Comment tu nous as gardé tes enfants. Our family members, Lord. Nos membres de famille. We thank you, Lord, for your ongoing protection. Nous te remercions, Seigneur, pour ta protection continue. Lord, as we go on daily basis, now different activities. Seigneur, alors que nous continuons avec nos activités journalières. Father, what can we say? Père, que puissions-nous dire? We see the world outside. Nous voyons le monde extérieur. They take joy and things, pleasure in different toys and different games, Lord. Qui trouvent la joie et le plaisir dans de jeux et de choses différentes. In Hollywood and cinemas. Dans Hollywood et dans le cinéma. But Father, we find our joy when we talk about the Lord Jesus. Mais Père, nous trouvons notre joie lorsque nous parlons de Jésus-Christ. We find our joy when we talk about you. Nous trouvons notre joie lorsque nous parlons de toi. When we sing your praises. Lorsque nous prions, chantons ta présence. Father, you promised in your word. Père, tu as promis dans ta parole. That wherever two or three shall be gathered in your name. Que là où deux ou trois sont réunis en ton nom. You shall be in the midst. Tu seras parmi eux. Lord, we are all joined together. Seigneur, nous sommes tous réunis ensemble. Though we are not in the same building. Quand bien nous ne sommes pas dans le même bâtiment. But we are all together now. Mais nous sommes tous ensemble maintenant. In one accord. En un seul accord. Let your Holy Spirit move in our midst. Puisse ton Saint-Esprit mouvoir parmi nous. And manifest that you are the resurrected Christ. Et manifestez que tu es le Christ ressuscité. Break through the walls of your children's homes. Traverse les murs de maisons. And rest the blessing upon each and every one. Et repose tes bénédictions sur tout un chacun. Let our homes be turned into churches right now. Que nos maisons se transforment en églises maintenant. Let all spirit of destruction be cast out in the name of Jesus. Que tout esprit de destruction soit chassé au nom de Jésus. Let us approach your Father with humility. Que nous t'approchons avec humilité. As we want to hear from you, Lord. Or que nous voulons entendre parler toi. Father, humble my heart before you. Père, humilie mon cœur devant toi. I don't know what to preach. Je ne sais pas quoi prêcher. I even don't know what words are necessary. Je ne sais même pas quels mots sont nécessaires. And even how to explain, how to show it. Ni comment les exprimer ou montrer. But Father, I'm trusting in the Holy Spirit. Mais Père, j'ai confiance au Saint-Esprit. Who brought this message? Qui a apporté ce message? Through your servant the prophet. Par ton serviteur le prophète. That he will come in our midst and reveal the word unto each and every one. Pour que tu viennes parmi nous révéler cette parole à tout chacun. Grant it, Lord, we pray. Accorde-le, Père, nous prions. In the blessed name of Jesus. Au nom de Jésus. Our Lord and Savior. Notre Seigneur Sauveur. Amen. 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 God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Certainly a great privilege to be back in the house of the Lord. C'est vraiment un privilège de revenir dans la maison du Seigneur. Thank you, musician. God bless you. Merci, le musicien. Let us, before we go to the word, I just want to say a few things to acknowledge God's grace in our midst. Juste dire quelques mots avant d'aller dans la parole pour reconnaître la grâce de Dieu parmi nous. So I want to thank the Lord. Je veux remercier le Seigneur. For those who have graduated. Pour ceux qui ont été conférés. On dit ça conféré? Ouais. Ceux qui ont gradué? Gradué, c'est en anglais. Ok, good. So we want to thank God. Alors nous voulons remercier le Seigneur. And I know it's been a days of homeworks and assignments and going to school, and today a lot of people are happy because they've graduated. Je sais que c'était une saison de devoirs à domicile, mais maintenant tout le monde est content parce qu'ils sont conférés. And I'm thinking especially even for those who thought that it was not too late. Et je remercie Dieu pour tous ceux qui ont pensé qu'il n'était pas trop tard. You know, like Sister Thérèse. Vous voyez comme la sœur Thérèse. Sister Rebecca. La sœur Rebecca. So they realized that it was not too late.
ils se sont rendus compte qu'il n'était pas trop tard. That it is still possible. Que c'était toujours possible. Amen. Amen. So, it's not too late. Donc, ce n'est pas tard. You can still graduate. Tu peux toujours être conféré. You can still take classes. Tu peux toujours étudier. But today, I'm going to, because of this, I'm going to talk a little bit of another graduation. Alors, à cause de ceci, je vais parler d'une autre conférence. Graduation of on the spiritual side. La collation du côté spirituel. And I know it's not too late either. Et je sais que c'est pas grave. Ce n'est pas aussi tard que ça. Amen. Amen. There are people also graduating in the school of God. Il y a des gens qui ont aussi une collation dans l'église de Dieu. If you don't mind, you can stand now as we read the word of God. Veuillez tenir debout alors que nous lisons la parole de Dieu. We're going to go to the book of Matthew chapter 4 and verse 4. Matthieu 4, 4. Scripture that you know very well. Okay, we shall say this. But he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord, of the mouth of God. Can you read that in French? Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heavenly Father, we thank you again for the reading of the word. Père Céleste, nous remercions encore pour la lecture de la parole. May you break it into our hearts. Que tu puisses décomposer ceci dans nos cœurs. In the name of Jesus, we pray. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen. Amen. God bless you all. Que Dieu vous bénisse. You may be seated. Veuillez vous asseoir. You see here. Vous voyez ici. Jesus said. Jésus dit. Man shall not live by bread alone. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Man. L'homme. Shall not live. Ne vivra pas by bread alone, du pain seulement, but mais by every word, de toute parole that proceedeth out of the mouth of God, qui sort de la bouche de Dieu. We can see here, nous pouvons voir ici that you nourish yourself in two kinds of lives, que tu te nourris de deux sortes de vie. That means you have a natural life. C'est-à-dire que tu as une vie naturelle. You also have a spiritual life. Tu as aussi une vie spirituelle. Remember Adam when he was created. Rappelez-vous lorsque Adam a été créé. He was a spirit man. C'était un homme esprit. He did not live on potatoes. Il n'a pas survécu seulement de patates. Non, non. Non. He did not live by potatoes. Il ne vivait pas de patates. Yeah. He did not live by any fruit. Il n'a pas vécu d'un fruit quelconque. And Brother Branham said, et Frère Branham dit, Adam lived in that condition for so long, a vécu dans cette condition pour beaucoup de temps, before he was put in a body of flesh, avant qu'il ne soit mis dans un corps de chair. So we see Adam. Alors nous avons vu qu'Adam, he lived the life, il a vécu une vie, and but that life was not by the bread, et la vie ne consistait pas seulement au pain. Not pas seulement. That life was not lived by the bread. Cette vie n'était pas vécue par le pain. Amen. Amen. There was nothing as natural. Il y avait rien de naturel. Because Adam, parce que Adam was a spirit man, était un homme esprit. As a spirit man, comme homme esprit, he could not eat. Il pouvait pas manger. He did not have a body. Il n'avait pas of un corps flesh to eat. De chair pour manger. Amen. Amen. So, but Adam lived. Mais Adam a vécu. Hallelujah. Amen. But there is a principle of God's word. Mais il y a un principe de la parole de Dieu. God cannot create the fish. Dieu ne peut pas créer un poisson. Before he could create the water. Avant qu'il n'ait créé de l'eau. Because the fish have to live and depend on the water to live, to survive. Parce que le poisson doit dépendre de l'eau pour survivre. God could not create the beast of the field. Dieu ne pouvait pas créer les bêtes du champ. Without having the field where those beasts will depend on. Sans avoir un champ où
pour que ces animaux en dépendent. So before he created the beast, c'est-à-dire avant qu'il ne puisse créer les he bêtes, created the field, il a créé le champ. Before he created the fish, avant qu'il ne crée le he poisson, created the water, il a créé la mer. Before he created the birds, avant qu'il ne crée les oiseaux, he created the air and the firmament, il a créé l'air et les firmaments. Because they have to depend on the air to live. Parce qu'ils doivent to fly. Dépendre de l'air pour vivre. So God, alors Dieu, for every living creature, pour chaque créature vivante, God has created something it has to depend on. Dieu a créé quelque chose de quoi il dépend. So when God created Adam, alors lorsque Dieu a créé Adam, he was a spirit man, il était un homme esprit. He depended on God. Il dépendait de Dieu. Completely and thoroughly. Complètement et totalement. He lived by God. Il a vécu par Dieu. He lived by the word. Il a vécu par la parole. There was no potatoes. Il n'y avait pas de patates. He didn't have a body to eat potatoes. Il n'avait pas un corps pour manger de patates. He didn't have a body to eat fruit. Il n'avait pas un corps pour manger de fruits. But then God, mais ainsi Dieu put Adam a mis Adam in a body of flesh. Dans un corps de chair. But the body of flesh, mais le corps de chair could not live by the word. Ne pouvait pas vivre par la parole. Alléluia. So the body of flesh, alors le corps de chair, has to depend on the fruits of the field. Devait dépendre de fruits du champ. So Adam, alors Adam, has to eat from the fruits of the field. Devait manger de fruits du champ. In the outer man, in the dans l'homme, outer man, dans l'homme extérieur. But in the inner man, mais dans l'homme intérieur, he depended on God. Il dépendait de Dieu. He ate from God. Il a mangé de Dieu. He lived by God. Il a vécu de Dieu. He lived by the tree of life. Il a vécu de l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. So we see that there were two lives there. Alors nous voyons qu'il y a deux vies là. There is a natural life. Il y a la vie naturelle. And there's a spiritual life. Et il y a la vie spirituelle. And these are two different entities. Et c'est deux entités différentes. That makes part of your life. Qui font partir de ta vie. Alléluia. Amen. If you do not eat bread, si vous ne mangez pas du pain, in other words, if you don't eat natural food, dans d'autres mots, si vous ne mangez pas la nourriture naturelle, you will die. Vous allez mourir. Alléluia. Amen. And if you don't eat spiritual food, et si vous ne mangez pas la nourriture spirituelle, you will also die. Vous allez aussi mourir spiritually. Spirituellement. And on this side, et de ce côté, you die naturally. Vous allez mourir naturellement. Glory. Gloire. So now God said, man shall not live by bread alone. Alors l'homme ne vivra pas du pain seulement. But he shall also live by every word that comes out the mouth of God. Mais vivra de toute parole qui sort de la bouche de but Dieu. After the fall, mais après la chute, those two entities of life, ces deux entités de vie, they were all perverted, étaient toutes perverties. Amen. Amen. Man was cast out of the garden of Eden. L'homme était chassé du jardin d'Éden. They were cast out of the presence of God. Ils étaient chassés de la présence de Dieu. And that life was perverted. Et cette vie était pervertie. And both entities of life were perverted. Et les deux entités de vie étaient perverties. Alléluia. The inner man was completely defiled and separated from God. L'homme intérieur était totalement souillé et séparé de Dieu. Man was completely without communion with God. The communion was lost. L'homme avait totalement perdu sa communion avec Dieu. And on this side as well, et de l'autre côté ici, it became now a labor. C'est devenu du travail. Hallelujah. Because before, parce que avant, Adam lived, but it was not a labor. Abraham vivait, mais c'était pas par le travail. Because God says now, Adam, parce que Dieu dit maintenant, because Abraham, of what you've done, à cause de ce que tu as fait, you shall sweat. Tu vas transpirer to have something to eat. Pour avoir de quoi manger. But before the fall, mais avant la chute, Adam did not have to sweat. Avant, Adam n'avait pas à transpirer. But the fall, mais la chute, brought the sweating, a apporté la sueur. The fall, la chute, brought labor, a apporté le travail. Now man has to labor. Maintenant, l'homme doit travailler. Man has to work hard. L'homme doit travailler durement. To sustain his natural life. Pour soutenir sa vie naturelle. And on this side also, et de l'autre côté aussi, he has to depend on the word of God to sustain his life in a certain way. I'll get back to that. Il doit dépendre de la parole de Dieu pour soutenir sa vie aussi d'une certaine façon. Je vais y revenir. But God to bring man where he could restore him back where he was. Mais Dieu pour amener l'homme là où il pouvait le restaurer à son point originel. The Bible says he put him under a schoolmaster.
La Bible dit, il a mis sous le maître de corvée. Non. Sous un pédagogue. Amen. So they put him under schoolmaster. Alors ils l'ont mis sous un pédagogue. Take your Bible, let's go to Galatians chapter 3 verse 23. Galates 3 23. Galatians chapter 3 verse 23. Galates chapitre 3 verset 23. But before, sorry, I gotta get my glasses in. It said, but before faith came, we were kept under the law. Mais écrit, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, et en vue que la foi qui devait être révélée. Wherefore, ainsi, the law was our schoolmaster. La loi était notre pédagogue. To bring us unto Christ, pour nous conduire à Christ, that we might be justified by faith, afin que nous fussions justifiés par but la foi. But after that faith is come, la foi étant venue, we are no longer under his schoolmaster. Nous ne sommes plus sous ce pédagogue. So there is a time where you are kept under a schoolmaster. Alors il y a des moments où tu es gardé sous le pédagogue. And after you are done with the schoolmaster, une fois tu as fini avec les études, you pass unto living. Vous passez maintenant à la vie. You pass unto something else. Tu passe maintenant à quelque chose d'autre. So Paul said, Paul dit, God put us under the schoolmaster. Dieu nous a mis sous le pédagogue. The law, la loi. Because life was perverted. Parce que la vie était pervertie. In the spiritual side, du côté spirituel. The life we live by, la vie que nous vivons, is a permissive life. C'est une vie permissive. What Branham said, Branham dit, where it's a permissive will. C'est une volonté permissive. A permissive way of God. Une voie permissive de Dieu. The life that we have through through a man and a woman. La vie que nous avons par le canal de l'homme et la femme. Because life. Parce que la vie. Was supposed to come. Faisait venir par la parole parlée. Adam had to speak the word. Adam devait parler la parole. For the child to come. Pour que l'enfant vienne. The same way Jesus was born by the spoken word. Tout comme Jésus était né par la so parole every parlée. Child of God must be born by the spoken word. Alors tout enfant de Dieu devait naître par la parole That's parlée. The reason, raison pour laquelle your natural birth, ta naissance naturelle will never make you a child of God. Ne fera de toi jamais you un enfant must de Dieu. Be born again tu dois être né de nouveau by the spoken word. Par la parole parlée. You are born by the spoken word. Tu es né par la parole parlée. Then you are a son and a daughter of God. Ainsi tu es fils, fille de Dieu. So the life that we have became perverted. Alors la vie que nous avons est devenue pervertie. Because God said, man shall not live by bread only, but by every word that comes out the mouth of God. Parce que Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche Since de Dieu. Since this spiritual life was perverted, God put it under a schoolmaster. Aussitôt que cette vie était pervertie, Dieu l'a mis sous le pédagogue. And then it went through all the law. Et c'est passé par toutes les lois. Alléluia. So this the law was the schoolmaster. Alors la loi c'était le pédagogue. So I was looking at the Greek word of schoolmaster. Alors je regardais le mot grec du pédagogue. It means instructor. C'est-à-dire l'instructeur. It means a tutor. C'est-à-dire le tuteur. It means the person that gives you instruction. C'est-à-dire l'homme qui te donne l'instruction. He's teaching you. Qui vous enseigne. Alléluia. Don't do this. Ne faites pas ceci. Don't do that. Ne faites pas cela. There must always be a teaching. Il faudrait toujours qu'il y ait de l'enseignement. Alléluia. So God has to put you under the schoolmaster first. Alors Dieu doit d'abord vous mettre sous le maître pédagogue. This is how God is bringing back this life. C'est comme ça que Dieu ramène cette vie. And I want to tell you something. Et je veux vous dire quelque chose. The reason why you go to school. La raison pour laquelle vous allez à l'école. Because you have to labor. Parce que vous devez travailler. And to labor, pour travailler, you have to learn a skill. Vous devez apprendre un talent. And to learn a skill, et pour apprendre, you go to school, vous partez à l'école. To become a nurse, pour devenir infirmière. To become a doctor, pour devenir docteur. To become a mechanic, pour devenir mécanicien. Or to become a truck driver, ou pour devenir conducteur they have de véhicule. To teach you. On doit vous enseigner. You have to take some tests. Vous devez prendre des tests. You are under the schoolmaster. Vous êtes sous le pédagogue. And one day you graduate. Et un jour, vous serez diplômé. You are happy.
vous êtes heureux. Because everything that you have learned, parce que tout ce que vous avez appris, you've gone through testing. Vous êtes passé par des épreuves. You've gone through times of challenge. Vous êtes passé par des moments de défi. Now there's a confirmation. Maintenant, il y a une confirmation. Graduation is a confirmation. La confirmation est une confirmation que vous êtes qualifié, that you have the skills, que vous avez le les compétences. Alléluia. So that's what graduation is all about. Alors c'est de cela que la collation veut dire. I'm giving you a natural background here. Je vous donne un fondement naturel. If you want to become a doctor, si vous voulez devenir docteur, or you want to become a nurse, vous voulez devenir infirmière, or you want to become an engineer, vous voulez devenir ingénieur, you go to university, vous partez à l'université, you don't start at university, vous commencez pas à l'université, you start at your elementary school, vous commencez à l'école primaire, you finish your elementary school, vous finissez votre école primaire, you go to high school, vous allez à l'école secondaire, you finish your high school, vous finissez votre école secondaire, you go to your university, vous allez à l'université, and then you are under the schoolmaster, et puis vous êtes sous le pédagogue. At the end of the schoolmaster, à la fin du pédagogue, at the end of the schoolmaster, à la fin du pédagogue, there's a ceremony of graduation, il y a une cérémonie de collation, which is a confirmation, qui est une confirmation, that this man, que cet homme, this woman, cette femme, has been under the teaching, était sous l'enseignement of medicine, de la médecine, of engineering, de l'ingénierie. But today, mais aujourd'hui, we are giving a confirmation. On lui donne une confirmation. This person, cette personne, is no longer a student, n'est plus étudiant, but he's now a doctor. Il est maintenant docteur. This person, cette personne, is no longer a student, n'est plus étudiant, but he's now an engineer. Mais il est maintenant ingénieur. This person, cette personne, is no longer a student, n'est plus étudiant, but is now a nurse. Mais il est maintenant médecin. This person, infirmière. Is no longer a student, cette personne n'est plus but now is a lawyer, étudiant mais maintenant avocat. So graduation, alors la collation, is a confirmation of your life, c'est une confirmation de votre vie. In other words, dans d'autres mots, the things that you've learned, les choses que vous avez apprises, when you've been under the schoolmaster, lorsque vous étiez sous le pédagogue, and they've taught you, on vous a enseigné, they've given you instructions, on vous a donné des instructions, you went through testings, vous êtes passé par de tests, and on the day of the graduation, et le jour de la collation, they are confirming, on confirme that everything that you have heard, que tout ce que vous avez entendu, you cannot live by them, vous pouvez maintenant vivre dépendant de live as a doctor, vous pouvez maintenant vivre comme you docteur, can live as a nurse, vous pouvez vivre comme infirmière, you can live as a lawyer, vous pouvez vivre comme you can live as an engineer, vous pouvez vivre comme ingénieur. The life of what they have been taught has not been confirmed in you. C'est-à-dire que la vie de ce qu'on vous a enseigné est maintenant confirmée en vous. Alléluia. Amen. So God also, alors Dieu aussi, he put you under the schoolmaster. Il vous met sous le pédagogue. The schoolmaster gives you instructions. Le pédagogue vous donne des instructions. Instructions. Des instructions. Teaching. Des enseignements. Teaching. Des enseignements. But graduation, la collation, as a Christian, comme chrétien, is when everything that you have learned, c'est lorsque tout ce que vous avez appris becomes your life, devient votre vie. It is God confirmation, c'est la confirmation de Dieu that this person, que cette personne, is now a Christian, est maintenant chrétienne. Alléluia. You understand the two graduation I'm talking about? Vous comprenez la collation dont je parle? Let me read for you. Je vais lire pour vous. Some quotes of the prophet. Quelques citations du prophète. Before I move on. Avant que je ne continue. So some people. Alors il y a des gens. They say education is of the devil. Qui disent que l'éducation est du diable. And they place it so bad. Et ils placent cela tellement mal. Until they even discourage people to go to school. Jusqu'au point où ils découragent même les gens de ne plus aller à l'école. But if education is of the devil. Mais si l'éducation est du diable, mais lorsque ces gens sont malades, ils vont voir le docteur du diable. And you see the people, they drive nice cars by of the devil. Vous voyez, les gens conduisent de belles voitures du diable. If education is of the devil, si l'éducation est du, l'instruction est du diable, don't approach anything of it. Alors n'approchez rien de cela. Don't drive a car. Ne conduis pas un véhicule. You shouldn't have a cell phone. Tu ne devras pas avoir un téléphone. Because you shouldn't even fly. Vous ne devrez même pas prendre des vols.
You should not even go and see a doctor. Vous devrez même pas aller voir un médecin. Because that doctor went to school. Parce que ce médecin est allé à l'école. If that school is of the devil. Si cette école est du if diable. If that education is of the devil. Si cet enseignement est du diable. Then how do you go to the doctor of the devil? Alors comment est-ce que vous allez chez les docteurs du diable? Who have been educated by the devil. Qui a été instruit par le diable. When you have a problem. Lorsque vous avez un problème. You need a lawyer. Vous avez besoin d'un avocat. Now you. Maintenant vous. Then find a lawyer. Vous partez trouver un avocat who has received an education of the devil qui a reçu l'instruction du diable to defend you. Pour vous défendre. So you are using the devil. Alors vous utilisez le diable to defend you. Pour vous défendre. It's a misinterpretation. C'est une mauvaise interprétation. Brother Branham never encouraged people to be illiterate. Frère Branham n'avait jamais encouragé les gens à être des illettrés. It's nowhere. C'est nulle part. Alléluia. It's a misplacement of scriptures. C'est mal placer les écritures. People think that Christians should never be people that have gone to school. Les gens pensent que chrétien c'est quelqu'un qui ne devra jamais aller à l'école. But when you look at Paul, mais lorsque vous regardez Paul, he was a man who had gone to school. C'était un homme qui est parti à l'école. Hallelujah. Brother Branham himself, Frère Branham lui-même, he said if he was not called for the ministry. He would have gone to school to become a doctor. Si ce n'était pas l'appel du ministère, il serait parti à l'école pour devenir docteur. He has even recommended his daughter to become nurses, to go and be, to become to learn to become nurses. Il a même recommandé sa fille à devenir infirmière. So people need to put a real separation between the two entities of life. Alors les gens doivent mettre une différence entre les deux entités de la vie. And some people think if you are not, if you have less education, et certaines personnes pensent que si tu es moins instruit, that makes you more spiritual. Ça fait de toi plus spirituel. Less or more education will never make you more spiritual. Moins ou plus instruit ne fait pas de vous plus chrétien ou moins chrétien. Ce qui fait de vous plus spirituel, it is the new birth. C'est la nouvelle naissance. It's not lower education. Ce n'est pas moins de instruction. Less education. Ou moins d'instruction. Makes you spiritual. Qui font de vous spirituel. That doesn't make you spiritual. Cela ne fait pas de vous spirituel. What makes you spiritual? Ce qui fait de vous spirituel. Is the new birth. C'est la nouvelle naissance. The Bible says. La Bible dit. You must be born again. Vous devez naître de nouveau. Hallelujah. Amen. You must be born again. Vous devez naître de nouveau. So you cannot mix it. Alors vous ne pouvez pas entremêler cela. Alléluia. Amen. You cannot mix where to feed from. Vous ne pouvez pas entremêler. Where you feed from. Où est-ce que tu appartiens. You cannot say that for me to be more spiritual. Tu ne peux pas penser que pour que tu sois plus spirituel. I should not go to school. Je ne devrais pas aller à l'école. That's a lie of the devil. Ça c'est un mensonge du diable. Or you think that those who have gone to school. Ou vous pensez que ceux qui sont allés à l'école. They are less spiritual than you. Sont moins spirituels que vous. That's a lie of the devil. C'est un mensonge du diable. It is your obedience. C'est votre obéissance. To God's word. À la parole de Dieu. Your humility. Votre humilité. Your ability to give away your understanding and your thinking. Votre capacité de to accept God's word. D'abandonner votre compréhension et accepter la parole de Dieu. I know the more you study. Je sais que plus tu étudies, you develop reasoning abilities. Plus tu développes tes capacités de raisonnement. And then you may use your reasoning ability to understand the word instead of using revelation. Et ce peut que tu utilises ta capacité de raisonner pour comprendre la parole au lieu d'utiliser la révélation. That's the reason Brother Branham said. C'est la raison pour laquelle Frère Branham dit. Seek you first the kingdom of God. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. In other words. Dans d'autres mots. You cannot make all other people have gone to school that they may you will never become Christian. Vous ne pouvez jamais faire en sorte que tous ceux qui sont partis à l'école ne peuvent pas devenir de chrétiens. Because they've gone to school. Parce qu'ils sont partis à l'école. Because education is of the devil. Parce que l'éducation est du diable. That's your own understanding. Ça c'est votre propre compréhension. You don't get it well. Vous ne saisissez Let pas cela. Let me read what Brother Branham says here. Nous allons lire ce que Frère Branham dit ici. Hallelujah. Amen. Brother Branham did not want us to mix knowledge. Il voulait pas que nous puissions entremêler la connaissance. That's what happened in the Garden of Eden. C'est ce qui est arrivé dans le jardin de Eden. Eve has mixed the knowledge of Satan and the knowledge of God's word. A mélangé la connaissance de Satan et de Dieu. Eve
Eve hybrided God's word a hybridé la parole de Dieu with reasoning of the devil. Avec le raisonnement du diable. So we should never use education. Alors nous ne devrons jamais utiliser l'éducation to understand the word. Pour comprendre la parole. We should receive the revelation. Nous devons recevoir la révélation. Because everybody that has a brain can do it. Parce que tout le monde qui a un cerveau peut le faire. In the message, the angel of the Lord preached in 1953, Brother Branham says. Dans l'ange du Seigneur de 53, Frère Branham dit. The educated heathen, le païen instruit, instruit éduqué, is harder, il est dur, to touch, à toucher, than the uneducated, que celui qui n'est pas instruit. Heathen, païen, is unbeliever, c'est l'incrédulité. Le païen, c'est l'incrédule. And when they become educated, et lorsqu'ils deviennent instruits, makes them horrible to touch. Ça fait ils deviennent horribles à toucher. They know so much that they can't tell them nothing. Ils en connaissent tellement qu'on peut plus leur apprendre quoi que ce soit. Where the man is uneducated, lorsque l'homme n'est pas instruit, he looks at you. Il vous regarde. He accepts the gospel. Il regarde à vous et accepte believes l'évangile. God. Croit en Dieu and gets the results. Et reçoit le résultat. But we try to figure out all out. Mais nous essayons de tout trouver. You'll never figure God out. Vous n'allez jamais en savoir de Dieu. Vous figurez Dieu. Figurez Dieu. He can't be figured out. Il ne peut pas être figuré. He's past finding out. Il passe. He is a past finding out, like. To find out, to discover. Alors, c'est impossible de le déduire. God is not known by education. Dieu, on ne connaît pas Dieu par l'instruction. Dieu n'est pas connu par l'éducation. Amen. God is known by faith. Dieu est connu par la foi. By faith. Par la foi. And the only way you can know him. Et l'unique moyen de le connaître. Alléluia. Amen. God is only known by faith and not by education. Dieu est seulement connu par la foi et pas par l'instruction. And what I'm showing how an educated man can use his education. Et Frère Branham montre comment to reason with God's word. Un homme instruit peut utiliser son instruction pour raisonner avec la parole de Dieu. To figure it out. Pour figurer cela. But he said you should not do it. Mais il dit que vous ne devrez pas le faire. Here's what he said. Voilà ce qu'il dit. In the message, the door inside the door. Dans la prédication, la porte dans la porte. Now I say this not to be different. Mais je dis ceci pas pour être différent. And with this Bible laying open before me. Avec cette Bible qui est ouverte devant moi. It's the word of the living God. C'est la parole du Dieu vivant. But do you know what the word hidden means? Mais savez-vous ce que le mot païen veut dire? A heathen means an unbeliever. Un païen veut dire un incroyant. And it's better and easier to convert a heathen. Et c'est mieux et facile de convertir un païen. Than has no education than to try to convert one that does have an education. Qui n'a pas d'instruction qu'essayer de convaincre celui qui a de l'instruction. That's right. C'est correct. The heathen. Le païen, with no education, sans instruction, will be simple in his thinking. Sera simple dans sa façon de réfléchir. You see, voyez-vous, because education, parce que l'instruction, you may start reasoning with everything out. Vous pouvez commencer à raisonner avec toute chose. Somebody say hello. Quelqu'un dit hello. Oh, what did you mean? Hello. What is hello? Salut, qu'est-ce que tu voulais dire par salut? Let's see the etymology of the word hello. Voyons l'étymologie du mot salut. Hallelujah. Amen. But the heathen that has no education, mais le that païen has an education, qui a de l'instruction, he will figure every way around he can to make it a lie. Il va tout faire, tout ce qu'il peut pour se le présenter en fait de rendre cela un mensonge. Amen. The devil has used educational system. Le diable a utilisé le système d'instruction. To send more souls to hell than anything I know of. Pour envoyer plus d'âmes en enfer que quoi que ce soit. That's exactly the truth. C'est exactement la vérité. People even go to university to study God. Les gens vont même à l'université pour étudier Dieu. Now, I don't mean
I don't mean for your children to grow up illiterate. Alors, je ne dis pas que vos enfants devront grandir illettrés. But first place. Mais premièrement. But first place Christ, sorry. Mais premièrement, placez Christ at the door. À la porte. But don't never place education ahead of Christ. Ne placez jamais l'instruction devant Christ. But place Christ ahead of education. Mais placez Christ devant l'éducation. And if you are a doctor, si vous êtes docteur, and you place Christ ahead of your doctor degree, et vous placez Christ devant votre doctorat, you shall be the best doctor in the city. Vous serez le meilleur docteur de la ville. Because you won't be helping people with your education. Parce que vous n'allez pas aider les gens avec votre instruction. We are going to help people with the spirit of God in you. Mais vous allez aider les gens avec l'esprit de Dieu en God vous. God is going to adopt you as a doctor. Dieu va vous adopter comme docteur. God will adopt you as a mechanic. Dieu va vous adopter comme mécanicien, comme Amen. Ingénieur. Amen. But don't never place education ahead of Christ. Mais ne placez jamais l'instruction devant Christ. Education will cease. L'instruction va s'arrêter. Christ will never. Christ ne va jamais. Let Christ come into the heart. Que Christ vienne dans le cœur. And then the rest. Education. Les restes, l'éducation will follow. Va suivre. Amen. Amen. That's what the prophet said. C'est ce que le prophète dit. Brother Branham, Frère Branham, he wants you to give God the first place in your life. Il veut que vous donniez à Dieu la première place dans votre Seek vie. You first the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Seek you first the baptism of the Holy Ghost. Cherchez premièrement le baptême du Saint-Esprit. That's what we keep on telling our young people. C'est ce que nous continuons à dire aux jeunes That's gens. What we try to tell to our children. C'est ce que nous disons à nos enfants. Every parent Chaque parent is duty bound est lié to help his children à aider et ses lié enfants par le devoir et lié par le devoir d'aider to ses help enfants his children d'aider ses enfants to prepare the ground à préparer la for terre them to receive the baptism of the Holy Ghost pour qu'ils reçoivent le baptême because du Saint-Esprit you have to put Christ at the door parce que vous devez mettre Christ à la porte and then everything will follow. Et après, toute chose va suivre. Bien sûr que nos enfants vont à l'école quand ils sont encore jeunes. Mais nous devons les aider à tout moment pour faire la différence dans les choses de Dieu et les choses de la vie naturelle. Alors, nous voyons ici Paul is calling the law a schoolmaster. Il appelle la loi le pédagogue. Because they are using this to show how the law has done in our lives as the schoolmaster. Parce qu'on utilise ceci pour montrer qu'est-ce que la loi a fait dans nos vies comme pédagogue. It was the training. C'était la formation. As well as in the natural life, you're receiving a training. Tout comme dans la vie naturelle, tu reçois la formation. Amen. Amen. So the schoolmaster, alors le pédagogue, as the law, comme loi, so they teach you to restrain and rebuke you and keep you from different things. They tell you don't smoke, don't do this, don't insult. On vous apprend comment vous contenir. Ne fais pas ceci, ne fume pas, n'insulte pas. And all these things are being done to introduce you to Christ. Et toutes ces choses sont faites pour vous présenter à Christ. To bring you into Christ. Pour vous amener à Christ. The moral law. La loi morale. You should not commit adultery. You should not do this. You should not do that. Ne commettez pas adultère. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Amen. Amen. So the gospel. Alors l'évangile. It comes as a schoolmaster. Vient comme le pédagogue. The preaching of the word. La prédication de la parole. To teach you life. Pour vous enseigner la vie. To teach you what is wrong. Pour vous enseigner ce qui est mauvais, ce que vous devriez pas faire. What you should not do. Ce que vous devriez pas faire. But the preaching in itself. Mais la prédication en soi. Cannot help you. Ne peut pas vous aider. Hallelujah. Amen. You need the Holy Spirit. Vous avez besoin du Saint-Esprit. To confirm. Pour confirmer. And the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit. Is your graduation. C'est votre collation. Where the things that you've learned là où les choses que vous avez appris becomes life in you. Deviennent vie en vous. You are no longer a student, vous n'êtes plus étudiant but you are now a Christian. Mais vous êtes maintenant chrétien. You are no longer under the school master, vous n'êtes plus sous le pédagogue but you are now in Christ. Mais vous êtes maintenant en Christ. Hallelujah. Amen. I'll read you a few quotes here. Je vais vous lire quelques
So the problem is, alors le problème est que those who have gone to school, ceux qui sont partis à l'école, they were waiting for this time of graduation. Ils attendaient ce moment de confirmation. Can you imagine you've gone to school? Imaginez, vous êtes parti à l'école, and graduation comes, et la collation vient. They tell you, on vous dit, no, you are not graduating. Non, vous ne serez pas diplômé. There's no confirmation for you. Il n'y a pas de collation pour vous. How are you going to feel? Go to school and at the end of the day. To miss your graduation. Pourquoi est-ce que vous allez aller à l'école pour qu'à en fin de compte vous puissiez manquer votre collation? Why would you go to school and at the end of the day to miss a confirmation? Pourquoi est-ce que vous allez à l'école pour qu'en fin de compte vous puissiez manquer votre confirmation? In the same way, why would you go to church? Why would you listen to the word? Why would you be preached for at the end of the day? You miss the confirmation. De la même façon, pourquoi est-ce que vous allez à l'église? Pourquoi est-ce qu'on va vous prêcher pour qu'en fin de compte vous puissiez manquer votre confirmation? Amen. Amen. Because after we've been under the schoolmaster, parce qu'après que nous avions été sous le maître pédagogue, nous devons recevoir la confirmation. We must receive a vindication. Nous devons recevoir la confirmation. A confirmation. Une confirmation. A proof. Une preuve. That we have believed everything that has been taught. Que nous avons cru en tout ce qui a été enseigné. And vindication. Et la confirmation. Is where the problem is in our lives. C'est là que le problème se pose dans nos vies. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Brother Branham says this. Frère Branham dit ceci. In the message, the spoken word is the original seed. Dans le message, la parole parlée, la semence originaire. Now watch. Maintenant observez. Now remember. Maintenant rappelez-vous. The word. La parole. More, M-O-U-R-E-H, means teaching. Ce mot veut dire enseignement. The former rain, it says the more rain, the teaching rain. Teaching rain went forth. La pluie de l'enseignement. La pluie de l'enseignement est d'abord tombée premièrement. Amen. 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 There has to be a teaching rain first. Il faudrait qu'il y ait d'abord une pluie de l'enseignement premièrement. You must receive teaching. Vous devez recevoir l'enseignement first. Premièrement. You must be under a schoolmaster. Vous devez être sous le pédagogue. The word of God preached unto you. La parole de Dieu qui vous est prêchée. Coming as a teaching. Vient comme l'enseignement. Coming as an instructor. Vient comme instructeur. Coming as doctrine. Vient comme une doctrine. It is a teaching rain. C'est une pluie d'instruction. It's a teaching rain. C'est une pluie d'instruction. Enseignement. C'est un enseignement. Teaching. C'est un enseignement. Yeah. It's a teaching rain. C'est une pluie d'enseignement. The former rain. L'arrière pluie. L'avant. L'avant pluie. La pluie de l'avant-saison. La pluie de l'avant-saison. Is a teaching rain. C'est une pluie d'enseignement. Alléluia. Amen. Even with your children. Même avec vos enfants. You can never expect the latter rain. Vous ne pouvez pas vous attendre à la pluie de la saison. De l'arrière-saison. De l'arrière-saison. If you did not have the former rain first. Si vous n'avez pas eu l'avant-saison d'abord. La pluie de l'avant-saison. Amen. Amen. So you see, alors you voyez, have to teach. Vous devez enseigner. You have to plant the seed in your children. Vous devez planter la semence dans vos enfants. And then that seed grows. Et cette semence grandit. To produce life. Pour produire la vie. If you don't want your children to lie, si vous voulez pas que vos enfants mentent, you have to plant the seed. Vous devez planter la semence. If you don't want your children to be respectful, si vous voulez que vos enfants soient respectueux, you have to plant the seed. Vous devez planter la semence. If you want your children to be hard-working people, si vous voulez not que lazy, vos enfants ne soient pas paresseux, you have to plant the seed. Vous devez planter la semence. And planting the seed, et planter la semence, is teaching. C'est l'enseignement. Planting the seed, planter la semence, is the former rain. C'est la semence, c'est l'arrière. Planting the seed. Planter la saison. Is keeping the child under the schoolmaster. La semence, c'est garder l'enfant sous le pédagogue. Showing him ways of life. You are teaching. Lui montrant le voie de la vie, tu l'enseignes. Hallelujah. Amen. Let's go to Hosea chapter 6 verse 3. I'm bringing it
in a very simple way, not a prophetic way, just for you to understand graduation in a simple way on this side of the spiritual life. Osée chapitre 6 verset 3. The Bible says, then shall we know if we follow on to know the Lord. His going forth is prepared as the morning, and he shall come unto us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. And what I'm saying, the message, the spoken word is the original seed. Frère dit dans la prédication, la parole parlée, la semence originaire. Now we have had the teaching rain. Maintenant, nous avons eu la pluie de l'enseignement. And we are ready now for the harvest rain. Et nous sommes maintenant prêts pour la pluie de la moisson. You know the first rain. Vous savez, la première pluie. Is when you plant the seed. C'est lorsque vous plantez la semence. That starts up your crop. Qui commence avec votre croissance. Votre semence. Votre semence. That starts up your crop growing. Qui commence avec la qui la croissance. Fait croître votre moisson. Then just before it matures. Et juste avant que ça atteigne la maturité. There comes another crop. Vient l'autre croissance. I think the rain. That's what they call the harvest rain. C'est ce qu'on appelle la pluie de la moisson. We know it's the spring rains. Nous savons que c'est la pluie du printemps. And the rains about June. C'est une pluie qui vient. It makes your crops. Au mois de juin. There are spring rains. Il y a la pluie du printemps. And the rains that comes around June. Et la pluie qui vient aux alentours de juin. And those two rains. Et ces deux pluies. Is what makes up your crop. C'est ce qui fait en sorte que votre semence que vous ayez la moisson. Que vous ayez la moisson. Yeah. Amen. Amen. So you see. Alors voyez-vous. It's really a combination of both. C'est vraiment une combinaison de ces deux. And what Branham said. Et Frère Branham dit. Now the rain. Maintenant la pluie. We found out was the spirit. Nous avons découvert que c'est l'esprit. So the teaching rain. Alors l'enseignement de la pluie. Is the teaching of the spirit. La pluie de l'enseignement, c'est la pluie de l'esprit. That is the teaching of the spirit. C'est l'enseignement de l'esprit. Let's go to Jeremiah chapter 5 verse 24. Jérémie 5 24. The Bible says this. La Bible dit. Now they say they in their heart, let us not fear the Lord our God, that giveth rain both the former and the latter in his season. He reserveth unto us the appointed weeks of the harvest. Hallelujah. Amen. So he gives the first rain. Alors il donne la pluie de la première. And he appointed time for the second rain. Saison à un moment convenu. And if we go to Deuteronomy chapter 32 verse 2. Et nous si nous allons dans Deutéronome 32 verset 2. The Bible says this. La Bible dit ceci. My doctrine. Ma doctrine. Shall drop as the rain. Ma doctrine doit pleuvoir comme une pluie. My doctrine. Ma doctrine. Shall drop. Doit pleuvoir. As the rain. Comme la pluie. My speech. Shall distill as the dew. And the small rain upon the tender herb. And as the showers upon the grass. Hallelujah. Amen. So the teaching rain. Alors la pluie de l'enseignement. Being under teaching. Être sous enseignement. Being under an instructor. Être sous l'instructeur. Is after receiving the former rain. C'est après avoir reçu la première pluie. So God keeps you under the schoolmaster. Alors Dieu vous garde sous le maître pédagogue. In other words, under teaching. Dans d'autres mots, sous l'instruction. Under instruction. Sous l'instruction. And the prophet of God in this last age. Et le prophète de Dieu dans cet âge. He has brought unto us. Il nous a apporté. The former rain. L'arrière pluie. And not in the former rain. Et la pluie de l'arrière saison. And the latter rain also. Et aussi. There is a teaching rain. Il y a l'enseignement de la pluie. And there's also the harvest rain. Et il y a aussi la pluie du moisson. Pas l'enseignement de la pluie, la pluie de l'enseignement. Merci. Hallelujah. Amen. Now I don't want you to be confused here now. Alors je veux pas que vous soyez confus ici. I'm not getting into the prophetic of the latter rain. Alors je veux pas entrer dans le prophétique de l'arrière saison. Because there are places where Brother Bram referred to the latter rain as the resurrection.
the latter rain as the rapture, but he also referred to the latter rain as the Holy Ghost coming upon the people. So I just want to remain in that aspect. I'm not going to all other aspects. Alors je reste seulement dans l'aspect où Frère Branham se réfère à la pluie de l'arrière-saison comme le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit. Mais il s'est aussi référé à cela comme le relèvement, comme la résurrection. Amen. Amen. So Joel chapter 2 verse 23, Joel 2 23, it says, "Be glad then, you children of Zion, and receive and rejoice in the Lord your God, for he had given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first month." So we see here, alors voyons ici, that graduation, que la collation, cannot, pas la collation, la graduation, que la graduation, yeah, collation c'est quelque chose à manger. Selon le, when I was here in Canada, they say, "Oh, tu veux une petite collation? Then you want something to eat." Amen. So we see the latter rain cannot happen if there's no former rain. Alors nous avons vu que la pluie de the crop will never happen if there's no former rain and latter rain. That's what I want to say. Alors nous voyons que la moisson ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas eu la pluie de l'arrière saison et de l'avant saison. So you cannot have your graduation if there haven't been a teaching first. Vous ne pouvez pas avoir votre graduation s'il n'y avait pas de l'enseignement premièrement. You must have been under the schoolmaster. Vous devriez avoir été sous le pédagogue. Before you come to your graduation in your natural life. Avant de venir à votre graduation dans and la in vie the spiritual life, et dans la vie spirituelle, you must be under a teaching. Vous devez être sous l'enseignement. And that teaching will bring you to the, that teaching will cause. The Bible says here, "For he had given you the former rain moderately." In other words, he has given you the teaching rain. Ainsi, il vous a donné la pluie de l'enseignement. He has given you the doctrine. Il vous a donné la doctrine. And he will cause to come down for you the rain, the former rain, and the latter rain in the first month. Et il va faire en sorte que la pluie de l'arrière et de l'avant saison vienne dans le premier mois. Alléluia. Amen. So we see, Bible said that the sea shall not be heir with the shark. He said this, preaching in 1965. La semence ne va pas hériter avec la balle. He said this, and then noticing this morning, brother Jewel Rose. Il dit, remarquez ce matin, frère Jewel Rose. A very precious friend and brother to all of us. Un frère précieux. How he got up and read the Psalms. Comment est-ce qu'il a lu le psaume? Look how that dovetailed in, like he said. Observez combien. Comment cela s'enjambe. I want to see what kind of a seed that hanging on you. Je veux voir quelle sorte de semence est en vous. Is hanging on you. Est bon, sur vous. Et sur vous. Last night the Spirit spoke and said about the latter rain, former and latter rain. La nuit dernière, l'Esprit a parlé de la pluie de l'avant saison et de l'arrière saison. Both being poured out in the last days. Tous étant déversés dans le dernier jour. And this morning, et ce matin, the seed that's hanging on you. La semence qui a sur vous. Alléluia. In the so the former rain is the teaching. Alors la pluie. The former rain. La pluie de l'arrière saison. De l'avant. De l'avant saison. Is a teaching rain. Et la pluie de l'enseignement. Where the seed is planted. Là où la semence est plantée. Amen. Amen. The seed for you to become a doctor. La semence pour que vous deveniez docteur. The seed for you to become a nurse. La semence pour que vous deveniez infirmier. To become an engineer. Pour que vous deveniez ingénieur. Is planted in you. Est plantée en vous. Under the teaching. Sous l'enseignement. Under the schoolmaster. Sous le pédagogue. Hallelujah. Amen. So that's the reason. Raison pour laquelle. If the teaching is not right. Si l'enseignement n'est pas bonne. It's not. It's going to. You may fail your graduation. Vous pouvez échouer à votre graduation. If the teaching is not right.
Si l'enseignement n'est pas bon, you may fail your graduation. Vous pouvez échouer à votre graduation. If the teaching is not right, si l'enseignement n'est pas bon, you may not come to the baptism of the Holy Ghost. Vous risquez de ne pas parvenir au baptême du Saint-Esprit. That's the reason. Raison pour laquelle, in this hour, dans cet âge, God has sent the right teaching. Dieu a envoyé l'enseignement approprié. God has sent the former rain in these last days and the latter rain as well through this message of Brother Branham in these last days. Dieu envoie la pluie de l'arrière et de l'avant saison sous ce message de Frère Branham. You must receive the teaching. Vous devez recevoir l'enseignement of the message. Du message. You must be under the teaching of the word. Vous devez être sous l'enseignement de la parole. And you must believe the word. Et vous devez recevoir la parole. Your obedience to the word. Votre obéissance à la parole. You have testing times. Vous avez des moments, des you épreuves. You have challenges. Vous avez des épreuves. But you shall stay with the word. Vous devez rester avec la parole. And then that will cause the former rain to come upon you. C'est la faire en sorte que the latter rain to come upon you. La pluie de la vent saison, de l'arrière saison vient. Now listen to the message resume of the church ages. Brother Branham says. L'âge de spirit, Frère Branham dit. What seemed to be the answer came as many began to speak in tongues and manifest gift of the Spirit. Ce qui avait l'air d'être la réponse est venue lorsque plusieurs commençaient à parler en esprit. It was then believed that this was indeed the long-awaited restoration. Alors les gens ont cru que ceci c'était la restauration. It was not. It was referring to the Azusa Street experience. Il n'en était, c'était pas cela. Il se référait au réveil de rue d'Azusa. It was not. C'était pas cela. For the latter rain, pour la pluie de l'avant saison, can come only ne peut venir que after the former rain, which is the spring of our teaching rain. Après que la pluie de l'arrière saison soit venue ou de l'avant saison soit venue, qui est la pluie de l'enseignement. La pluie du printemps ou la pluie de l'enseignement. La pluie du printemps, la pluie de l'enseignement. The latter rain. La pluie de l'arrière saison. Then is the harvest rain. Et la pluie du moisson. How could this be the real thing when the teaching rain had not come? Comment ceci peut être la vraie chose si la pluie de l'enseignement n'est pas encore tombée, n'est pas encore venue? Alléluia. How can you become a doctor? Comment est-ce que tu peux devenir docteur? If you did not receive the teaching of a doctor, si tu n'as pas reçu l'enseignement du docteur, how can you become a nurse? Comment est-ce que tu peux devenir infirmière? Without receiving the teaching to become a nurse, sans recevoir l'instruction pour devenir infirmière. So what Branham said, Frère Branham dit, this latter rain could not come as long as the former rain is not come. Pluie de l'arrière saison ne pouvait pas venir alors que la pluie de l'avant saison n'est pas venue. Now he continues on saying, il continue et dit, the prophet messenger, le prophète messager, who was to be sent to teach the people, qui devait être envoyé pour enseigner aux gens, and turn the hearts of the children back to the Pentecostal fathers, had not yet come. Et changer le cœur des hommes au cœur de père pentecôtiste n'est pas encore venu. Hallelujah. Amen. So our teacher, alors nous enseignons, our teacher, nous enseignons, our teacher, not our teachers, our teacher. Notre enseignant did not come yet. N'est pas encore venu. So when the Azusa Street experience happened, alors lorsque l'expérience d'Azusa est venue, the teaching rain has not yet come. La pluie de l'enseignement n'est pas encore venue. Because the teaching rain, parce que la pluie de l'enseignement had to come with the prophet messenger, doit venir avec le prophète messager, who was to be sent to teach the people, qui devait être envoyé pour enseigner aux gens. To teach them, pour leur enseigner. Because people were bound in denominations. Parce que les gens étaient liés dans la dénomination. Brother Branham said the Holy Ghost, Brother Branham dit, les Saint-Esprit was bound, étaient liés by denominational demons, par les démons dénominationnels, by 200,000 demons on River Euphrates, par 200 000 démons dans la rue. The Holy Ghost, le Saint-Esprit was bound, était lié by denominational demons, par les démons de la dénomination. So there has to come a teaching, et il devrait y avoir l'enseignement by a prophet messenger, par le prophète messager. Why am I against the denominations? Pourquoi est-ce que je suis contre la dénomination? Why am I against organized religion? Pourquoi est-ce que je suis contre l'enseignement organisé? The seed of the serpent,
la semence du serpent. The seven seals. Hallelujah. Sept sceaux. The church ages. Les âges de l'Église. All those mysteries. Tous ces mystères. There has to be a doctrine. Il doit y avoir une doctrine. There has to be a teaching. Il doit y avoir de l'enseignement. There has to be a pouring of a teaching. Il doit y avoir un déversement de l'enseignement. And this has to come. Et ceci doit venir. With a prophet messenger. Avec un prophète messager. Bringing the former rain. Amenant la vent saison. And this former rain. Et la pluie de la vent saison. This teaching. Cet enseignement. This message. Ce message. He's going to release the Holy Ghost. Va dégager le Saint-Esprit. He's going to release the latter rain. Va libérer la pluie de. He's going to make people graduate. L'avant-saison, faire en sorte que les gens in these last days, soient diplômés dans ces derniers he'll jours. Make people to be confirmed. Il fera en sorte que les gens soient confirmés. God is going to confirm people. Dieu va confirmer les gens in these last days, dans ces derniers âges. Because we have received parce que nous avons reçu the right teaching. La bonne enseignement. That will cause the Holy Ghost. Le bon enseignement qui va causer to le Saint-Esprit pour qu'il vienne sur nous. Hallelujah. To bring graduation. Pour amener to bring us the diploma. Pour nous amener le diplôme. I feel good. Je me sens bien. I don't know how you feel, but... Je ne sais pas comment est-ce que vous sentez. Hallelujah. Amen. Do you love the Lord? Et vous aimez le Seigneur? The latter rain. La pluie de l'arrière saison comes to manifest. Vient pour manifester sons and daughters of God. Les fils et filles de Dieu. And for this to happen, et pour que cela prenne place, there has to be a former rain. Il faudrait qu'il y ait une pluie de l'avant-saison. Et une pluie de l'enseignement. You must be under instruction. Vous devez être sous you instruction. Must be under teaching. Vous devez être sous enseignement. The correct teaching. La bonne le bon enseignement. In the days of the voice. Dans le jour de la voix. In the days of the prophet messenger. Dans le jour du prophète messager. The seventh angel. Le septième ange, when it shall sound the trumpet, lorsqu'il sonnera de la trompette, I'll reveal the mystery, tout le mystère, it will be all open, tout le mystère caché sera tout révélé. Amen. Hallelujah. Amen. You see, voyez-vous, that reason, raison pour laquelle, as a student, comme étudiant, of the word, de la parole, in this message, dans ces messages, as a student, comme étudiant, you must learn obedience. Vous devez apprendre l'obéissance. Hallelujah. Amen. To cause the latter rain to come upon you. Pour faire en sorte que la pluie puisse venir sur vous. Remember, we spoke about the key of adoption. Rappelez-vous, nous avons parlé de la clé the de l'adoption. The key of the display of character. La clé de la démonstration du caractère. The key to have your name associated with God. La clé pour avoir votre nom associé à Dieu. It's obedience. C'est l'obéissance. We read quote to show you how obedience was key. Nous avons lu des citations pour vous montrer combien l'obéissance était clé. Était la clé. Était la clé. To come to that adoption. Pour parvenir à cette adoption. As Jesus Christ. Comme Jésus-Christ. He was so obedient. Il était tellement obéissant. He so obeyed God. Il a tellement obéi he à Dieu. He could do nothing without waiting on the Father. Qu'il ne pouvait rien faire sans s'attendre and du the Père. Said, this is my beloved son. Et le Père a dit, ça c'est in mon fils bien-aimé. En qui j'ai plaisir d'habiter. It does just what I say. Il fait ce que je lui demande de faire. My mind is in him. Ma pensée en lui. What he says, I God say amen. Ce qu'il dit, moi Dieu, j'ai dit amen. He has lost his own understanding. Il a perdu sa propre compréhension. He only take my mind. Et il ne prend plus que ma pensée. So I share with him my name. Alors je partage avec lui mon nom. And Jesus said, et Jésus dit, Father, Père, I have revealed your name. Je révélé ton nom. I have manifested your nature. Je manifesté ta nature. Hallelujah. Amen. In the adoption, dans l'adoption, you are revealing God's name. Vous révélez le nom de Dieu. In the adoption, dans l'adoption, your name is being associated with God's name. Votre nom est associé à celui de Dieu. Your signature, votre signature, is equal to God's signature. Est égal à la signature de Dieu. When you say something, lorsque vous dites quelque chose, all heaven says amen. Tout le ciel dit amen. Hallelujah. It's a display of a nature. C'est l'affichage du caractère. And that comes through the key of obedience. Et ceci vient avec la clé de l'obéissance. Now God puts you under a schoolmaster. Alors Dieu vous met sous le maître pédagogue. That schoolmaster will take you to the latter rain. Ce maître pédagogue va vous amener à la pluie de l'arrière saison. To the manifestation of sons and daughters of God. À la manifestation de fils et filles de Dieu. Hallelujah. Do not confuse now the baptism of the Holy Ghost with adoptions. I'm talking about two different things. Ne confondez pas le baptême du Saint-Esprit à l'adoption. Je parle Hallelujah. De deux choses différentes. It starts all the way down there.
Ça a commencé là auparavant. Hallelujah. God has given you instruction and teaching and instruction. You started by obeying and getting baptized in the name of the Lord Jesus. You started by obeying and trying to get away with the things of the world, with this. You are growing into the school of obedience. And then your obedience to God will be imputed to you for righteousness. Dieu vous donne l'adoption. Vous commencez par l'obéissance à la parole de Dieu et l'obéissance vous sera imputée à justice. Alléluia. It's going to be the robe. It's going to be the robe. The white linen. Ça sera la robe blanche. Alléluia. Barbaram says this. Barbaram dit ceci. In the message of Jehovah Jireh. Dans le message de Jehovah Jireh. I'm going to finish very soon, finish few quotes and then I'll let you go. On va finir bientôt dans la prédication Jehovah Jireh, Barbaram dit. We first so much about latter rain. Nous avons entendu beaucoup à propos de la pluie de l'arrière saison. We first. Nous avons premièrement. Non. Pourquoi we fast? C'est comme nous avons discuté ou quoi. We fast so much about latter rain and head movement called latter rain. Nous avons beaucoup discuté à propos de la pluie de l'arrière saison. Latter rain, former rain, inner rain, outer rain. Arrière saison, avant saison, saison. Pluie intérieure, pluie extérieure. I was reading the other day. Je lisais l'autre fois. Do you know what former rain means in the Hebrew word? Vous savez ce que la pluie de l'avant saison veut dire? I can't call it now. En hébreu, je peux pas dire cela maintenant. I never wrote it down. Je n'ai jamais écrit cela. It skipped my mind. Ça m'échappe dans la pensée. But former rain, mais la pluie de l'avant saison, the first rain, la première pluie, means veut dire a rain of teaching, la pluie de l'enseignement. The second rain, la deuxième pluie, is the spirit that comes upon what has been taught and produces the crop. C'est l'esprit qui vient sur ce qui a été enseigné et produit la moisson. And that is your graduation. Et ça, c'est votre graduation. Hallelujah. Amen. You believe that? Vous croyez en cela? Glory. It's in the message of the feast of the trumpets. Dans la prédication, la fête de trompettes. Notice here. Remarquez ici. It's a great thing. C'est. Look. Look. Observez. Oh my. Oh là là. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Has been bound. A été lié. By the denomination. Par la dénomination. All these 2,000 years. Tous ces 2 ans. The Bible said. Et la Bible dit. There will be a day. Il y aura un jour. That will be neither day or night or a day. Qui ne sera ni jour ni nuit. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Has been bound. Était lié by these denomination rivers par ces rivières dénominationnelles for almost 2000 years pour presque 2000 ans but it is to be loosed mais cela doit être perdu loosed libéré in the evening time au temps du soir by the evening time message par le message du temps de soir the Holy Spirit le Saint-Esprit back in the church again de retour dans l'église Christ himself Christ lui-même revealed in the human flesh révélé dans la chair humaine in the evening time au temps du soir he promised il a promis hallelujah. Cela amen so God bringing the confirmation alors Dieu amenant la confirmation first by the prophet apportant la confirmation par le prophète premièrement confirmant l'enseignement vindicating the word, confirmant la parole that this is the right teaching. Que ceci c'est la bonne enseignement it has produced Christ in a human flesh. C'est le bon enseignement qui a produit Christ dans la chair humaine it has produced Christ the same yesterday, today and forever. Ça produit Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement this is the confirmation. Ceci est la confirmation the presence of God la présence de Dieu revealed, révélée manifestée in the midst of his children. Parmi ses enfants God proving Dieu prouvant teaching, que l'enseignement the message, le message is right. Est correct. Hallelujah. Amen. Glory to God. You love the Lord. Gloire à Dieu, vous aimez Dieu. Do you love the Lord? Vous aimez le Seigneur. Can't you see why I am happy? Peux-tu pas voir pourquoi je suis heureux? Because I received the prophet. Que j'ai reçu le prophète. I have received the word. J'ai reçu la parole. Hallelujah. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. Let me read something for you to let you go. I don't want to read where it says many things with resurrection, but I just want to close with this. Je veux conclure avec ceci. Hallelujah. It said, in the message, signs of his coming. Dans la prédication, les signes sont venus. It says, a vindication. Il dit la confirmation. Of God being true. De Dieu étant vrai. Réel,
vrai. God bears record of his word by his signs. Dieu rend témoignage à sa parole par ses signes. God's word is a seed. La parole de Dieu est une semence. And that seed has to bring forth of its kind. Et cette semence doit produire selon son espèce. Every seed of its kind. Chaque semence de son espèce. And Jesus said that the word of God was a seed that a sower sowed. Et Jésus dit la parole de Dieu est la semence que le semeur avait semée. So then every promise in the Bible has to produce its kind. Alors chaque semence dans la Bible doit produire selon son espèce. Now, how are you going to get away from it? Alors comment est-ce que vous allez vous échapper de ceci? When they say there's no such a thing as the Holy Ghost in this day. Lorsque vous dites qu'il n'y a rien de pareil tel que le Saint-Esprit en ces derniers that jours, I was only given to the apostles when Peter said on the day of Pentecost, que ceci n'était donné qu'aux apôtres lorsque Paul a dit le jour de la Pentecôte. When they all held, received the Holy Ghost. Lorsqu'ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Now look what they were doing. Maintenant, observez ce qu'ils faisaient. According to Isaiah, selon Isaïe, and all the prophets that et tous les prophètes qui ont prophétisé, the Holy Ghost will be poured out. Le Saint-Esprit sera déversé. Now he is man under inspiration with the Holy Ghost. Maintenant, voilà un homme sous inspiration avec le Saint-Esprit. He said, "The promise is unto you." Il dit la promesse est pour and vous unto your children, et pour vos enfants and to them that are far off. Et à tous ceux qui sont loin. Even as many as the Lord our God shall call. En aussi grand nombre que le Seigneur va en appeler. But I want to tell you something. Frère, je veux vous dire quelque chose. If you have received the message, si vous avez reçu le message, if you have received, if you've been under the teaching, si vous avez été sous l'enseignement, if you've been under the former rain, si vous avez été sous la pluie de l'avant-saison, and this did not cause the latter rain to come upon you, et cela n'a pas causé que la pluie de l'arrière-saison ne vienne sur vous, ça va faire de vous un fondamentaliste. Yes. A person who is a fundamentalist. Un homme qui est fondamentaliste. With the doctrine that has been taught. Avec une doctrine qui lui a été enseignée. Hallelujah. Amen. And that you will have everything. Et vous aurez tout. You will know everything about the seals. Vous allez tout connaître à propos de. Everything about anything. Tout à propos de toutes choses. Hallelujah. Amen. Somewhere. Quelque part. Don't mix the word with anything else. N'entremêlez pas la parole de Dieu avec quoi que don't ce soit. Mix the teaching with your own understanding. Ne mélangez pas l'enseignement à votre compréhension. Don't mix the teaching with your own ideas. Ne mélangez pas l'instruction à vos idées. Leave the teaching pure. Laisse l'instruction. Just take it the way the prophet said. Laisse l'enseignement pur comme le prophète don't l'a dit. Bring your own interpretation. N'apporte pas ton interprétation. Hallelujah. Amen. Keep the teaching right. Garde l'enseignement correct. It will cause a lot of rain to come. Cela va causer que la pluie de l'arrière-saison vienne. Alléluia. Amen. If you mess up with the teaching of a doctor, si vous dérangez l'enseignement du docteur, then you end up by having people who are fake doctors. Alors vous finissez par avoir so-called des gens doctors, qui sont de soi-disant docteurs. So-called Christian. Soi-disant chrétiens. Alléluia. Amen. Brother Branham said, you are going to be just theologically believing. Frère Branham dit que vous allez être croyant théologique. A man is only theologically believing. Un homme n'est croyant théologique que. He's only materially believing. Il n'est croyant matériel. He's only looking it on the paper. Il ne regarde cela que sur papier. Until the Holy Ghost bore record of the resurrection of Jesus Christ. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit puisse amener le record du Seigneur Jésus-Christ. Glory to God. Amen. You love the Lord. Vous aimez le Seigneur? Then I'm going to read this quote and we shall stand up. Je vais lire cette citation et nous allons nous tenir debout. I have so many quotes I skipped. J'ai plusieurs citations que j'ai sautées. The proof of his resurrection, Brother Branham says. La preuve de sa résurrection, Frère Branham dit. There he stood. Là, il se tenut. And made himself known. Et s'est fait connaître. And he said. Et il a dit, if you can't believe me, si tu peux pas croire en moi, hallelujah. Amen. If you can't believe me, si tu peux pas croire en moi, believe the works that I do. Crois aux œuvres que je fais. If you don't believe that I'm a doctor, si tu crois pas que je suis docteur, you see, I made a surgery here. Tu vois, j'ai fait l'opération ici. And this patient is okay. Et ce patient va bien. If you don't believe that I went to school for a doctor, si tu crois pas que je suis parti à l'école pour être médecin, see the testimony. Suis le témoignage. Alléluia. Amen. See the testimony. Regarde le témoignage. Of people reporting how they appreciate me.
de gens qui as a good doctor. Rapportent de combien j'étais un bon docteur. If you can't believe me, si tu ne peux pas croire en believe moi, the works that I do, crois aux œuvres que je fais. They testify, ça témoigne that the Father sent me, que le Père m'a envoyé. He said, il dit, and my education, mon instruction, in other words, dans d'autres mots, I like this, j'aime ceci. If my education, si mon instruction, does not satisfy your longings, ne satisfait pas à tes besoins, if my degree, si mon, which I have none, si me, que, donc je n'en ai aucun, non j'en ai aucun, ok, but my degree, mais mes instructions, mon, si mon instruction dont j'ai et je n'en ai aucun. Okay, I'm going to repeat slowly. Can you read it there? You have it? Yes. Let's repeat. There he stood. Et voilà, il se tient là. And made himself known. Et s'est fait connaître. And he said, et a dit, if you can't believe me, si tu ne peux pas croire en moi, believe the works that I do. Crois aux œuvres que je fais. If you can't believe me, si tu ne peux pas croire en moi, believe the works that I do. Crois aux œuvres que je fais. They testify, ça témoigne, that the Father sent me, que le Père m'envoyait. He said, il dit, and my education, mon instruction, he didn't finish, il n'a pas fini. In other words, dans like d'autres this, mots, if my education, si mon instruction, does not satisfy your longings, ne satisfait pas à tes besoins, if my degree, si mes diplômes, mon diplôme, which I have none, dont je n'ai aucun. But my degree, mais mon diplôme, mon diplôme is not from your seminaries, n'est pas de ton séminaire. My diploma, mon diplôme, is the works that I do, c'est les œuvres que je fais. That the Father sent me, que le Père m'a envoyé. They are my diploma, cela est mon diplôme. Hallelujah. Amen. That's my confirmation. Ça c'est ma confirmation. That's my graduation. Ça c'est ma graduation. They are my diploma. Sont mon diplôme. That's the best diploma I know of. C'est le meilleur diplôme que je connaisse. God, Dieu, give us more of those diplomas. Donne-nous plus de ces diplômes. Clap your hands. Battez vos mains. Everybody say it. Que God, tout le monde dise Dieu. God, Dieu, give us, donne-nous more of those diplomas, plus de ces diplômes. God, Dieu, give us, donne-nous more of those diplomas, plus de ces diplômes. The works that I do are a vindication, les œuvres que je fais sont une confirmation, that the Father sent me, que le Père m'a envoyé. If that is not sufficient, si cela n'est pas suffisant, believe them then instead of me, croyez en cela au lieu de moi. Alléluia. Amen. Faith without works is dead. La foi sans œuvre est morte. Faith is based upon God's promise. La foi se repose sur les promesses de Dieu. The promise of the hour. Les promesses de l'heure. Alléluia. Amen. Works of faith. Works of our faith is the vindication. Les œuvres de notre foi sont la confirmation. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. How many would like to have that vindication? Combien aimerait avoir cette confirmation? How many would like to have that graduation? Combien aimerait avoir cette graduation? How many would like to have that diploma? Combien aimerait avoir ces diplômes? Brother Branham said, God, give us more of those diplomas. Frère Branham dit, Seigneur, donne-nous assez de ces diplômes. Why don't you stand up now? Veuillez vous tenir debout et dire, Seigneur, I want that diploma. Je veux cette diplôme. I have been under the right teaching. J'étais sous la bonne enseignement, le bon enseignement. J'ai suivi les prédications. I've been reading books. J'ai lu les I heard livres. Preachers, Lord. J'ai suivi les instructions. I believe your word. Les prédicateurs, je crois Lord, en ta parole. This is going to cause the latter rain to come upon me. Seigneur, ça si va causer que la pluie de l'arrière saison tombe sur moi. Ceci doit être that mon diplôme. Ceci sera ma confirmation. The proof of the resurrected Christ. La preuve du Christ ressuscité. In my life, dans ma vie, showing to the world, montrant au monde that Jesus is risen from the dead, que Jésus est ressuscité de mort. He's living in a people. Qu'il est ressuscité. Lord, I want that graduation. Seigneur, je veux cette graduation. Lord, I want that diploma. Je veux ce diplôme. Hallelujah. Amen. You that have gone to school. Toi qui es parti à l'école. You that have graduated. Toi qui as été you conféré. Have done your best. Tu as fait ton mieux. You spent time doing your homeworks. Tu as passé ton temps à faire ton sometimes devoir. You went to bed too late. Parfois, tu es parti à l'école. Because you were doing your homeworks. Au lit tard, parce que tu now faisais my ton question devoir. To you. Maintenant, ma question do envers you do toi. Your homeworks?
quand tu fais ton on devoir the spiritual side, du côté spirituel to have the spiritual graduation, pour avoir la graduation to spirituelle have your diploma, pour avoir ton diplôme, do you listen to the message? Est-ce que tu écoutes le message? Do you listen to the prophet? Est-ce que tu écoutes le prophète? Do you read the Bible? Est-ce que tu lis la Bible? Do you pray? Est-ce que tu pries? Do you do your homework? Est-ce que tu fais ton devoir? Do you do your assignments? Est-ce que tu fais tes oh, devoirs? Oh God, I want more of those diplomas oh in Dieu. Mount Zion, among us, in my family, among my brothers and sisters. That's what I want, oh Father. Je veux plus de ce diplôme à Mount Zion dans ma famille. C'est ce que je veux, Dieu. Hallelujah. Amen. I want to live the way He wants me to live. Let's pray. Let's sing that song. Thank you, Lord Jesus. Speak to Him as after this song. Parle-lui après cette chanson. The teaching rain has come. La pluie d'enseignement est venue. The prophet messenger. Le messager du prophète. Le prophète messager. He has come with the teaching. Est venu avec l'enseignement. That releases the Holy Ghost. Qui dégage le Saint-Esprit. Qui libère. Qui libère le Saint-Esprit. That was bound by denominational rivers. Qui était lié par le rivière dénominationnel. Do you believe in that teaching? Croyez-vous à cet enseignement? Do you do your assignment? Est-ce que vous faites votre devoir? Do you do your test? Est-ce que vous faites vos tests? Do you do your quizzes? Est-ce que vous faites vos interrogations? When a situation comes, lorsque les problèmes viennent, do you apply the word? Est-ce que vous appliquez la do parole? You believe? Est-ce que vous croyez? When a problem comes, lorsque les problèmes surviennent, do you go by your emotion? Est-ce que vous vous exprimez par vos émotions ou votre compréhension? Do you go by your feeling? Vos sentiments? Or do you go by the teaching? Oh, vous y prenez par l'enseignement. Alléluia. Amen. Do you overcome by the word? Est-ce que vous allez vaincre it par la parole? Written. C'est écrit. It is written. C'est écrit. The message said. La parole dit. The prophet said. Le prophète dit. The message said. Le message dit. The Bible says. La Bible dit. Do you have the teaching? Est-ce que vous avez l'enseignement? The right teaching. La bonne enseignement. That will le bon cause the Holy Ghost. Qui fera en sorte que le Saint-Esprit qui fera en sorte que raise la pluie de l'arrière-saison vienne. Say, Lord, I want that diploma. Élevez votre voix, dites, Seigneur, je veux ce diplôme. In this life, natural life, Seigneur, dans cette vie naturelle, I'm doing my best to graduate. Je fais de tout mon mieux pour être gradué. But Lord, on this side also, in the spiritual side, mais de ce côté aussi, I also want to have my diploma. Je veux avoir mon diplôme. On the spiritual side, Lord. Du côté spirituel, I want those two entities of my life to be completely restored back. Je veux que ces entités de ma vie soient restaurées. Adopted in my natural life. Adopté dans ma vie naturelle. And be successful and be a diploma in my spiritual life. Et être réussir aussi avec mon diplôme du côté spirituel. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Speak unto him.
Parlez-lui. He's here. Il est ici. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your word. Thank you for your presence. Thank you for the revelation. Thank you for the former rain. Thank you for the prophet messenger. Thank you for the teaching that has come to release the Holy Ghost. Oh, mighty God. We want more of those diplomas in our midst, Father. More of these diplomas in our families, in our church. Mighty God, come to our rescue. Deliver us, O God, from unbelief and doubt. Humble our hearts before your word, O God. The teaching, the right teaching, the schoolmaster. Oh God. As your prophets say, we are eagles. We have both wings, the Old and the New Testament, giving us the balance to stand, mighty God. Lord, I pray you come to our rescue, O Father. Oh God, the former rain, the latter rain. Lord Jesus, the teaching rain and the harvest rain, both making the crop, making us eagles, making us who we should be, Lord. Your word is so perfect. God, help us, I pray. Humble our hearts, Almighty God. We need more of those diplomas in our midst. The works that I do, shall you do also. A vindication, a confirmation of God, that we are true sons and daughters of God. Grant it, Lord, I pray. Thank you, Lord Jesus. Under the right teaching? Est-ce que vous avez été sous le bon enseignement? That's one thing. Ça, c'est une chose. Have you been doing your assignment? Est-ce que vous avez fait votre devoir? That's another thing. Ça, c'est une autre. Have you been doing your assignment? Est-ce que vous avez fait votre devoir? If not, si c'est non, say, Lord, take that laziness away from me. Dis, Seigneur, ôte cette paresse de moi. Because if I'm lazy with my assignment, parce que si je suis paresseux avec mon devoir, with my prayer life, avec ma vie de prière, with meditating your word, avec la méditation de ta parole, I won't make it to the graduation. Je ne veux pas réussir ma graduation. Because you said, parce que tu as dit, that's how I get deeper into the love of God. C'est comme ça qu'on s'approfondit dans l'amour de Dieu. Oh God, I need you. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. Heavenly Father, Père céleste, we thank you for love and grace. Nous te remercions pour ta grâce et ton amour. You can see, Lord, the hands that have gone up. Tu peux voir les mains levées.
Lord, mine also have gone up, Lord Jesus. Seigneur, la mienne aussi est élevée, Seigneur Because Jésus. We need you more than gold, more than silver. Seigneur, nous avons besoin de toi plus que l'argent et l'or. We thank you for our sisters and brothers who have graduated. Nous te remercions pour nos frères et nos sœurs qui They've done their assignments. Ils ont fait leur devoir. They are jumping and rejoicing. Ils sortent et se réjouissent. Taking pictures and showing that they've made it. Prenant des images prouvant qu'ils sont parvenus. Lord, what a wonderful thing. Seigneur, quelle chose merveilleuse. I wonder myself. Je me demande moi-même How would graduation on the other side do? Comment la graduation de l'autre côté va se If faire on this side, Lord, it can bring that joy. Si de ce côté ça peut apporter autant de joie. If in that, if really in this side, graduation can even make people make a party. Si de ce côté la graduation peut même faire en sorte que les gens puissent avoir If une fête. Graduation on this side can make people dance. Si de ce côté ça peut faire en sorte que les gens dansent. If graduation on this side can make people shout. Si la graduation de ce côté peut faire en sorte que les Lord, gens what crient. Graduation will do on the other side. Seigneur, qu'est-ce que la graduation va faire de l'autre côté? Father, we want more of diplomas on that side too. Père, on veut plus de diplômes de ce côté aussi. Now here we raise our hands, oh God. Alors que nous élevons nos mains, Père, We've been lazy with our assignments. Nous avons été paresseux avec We've been nos lazy devoirs. With our homework. Nous avons été paresseux avec you have nos recommended tests. Us to read the Bible. Seigneur, tu nous as recommandé de lire la Bible, to listen to tapes, de suivre les prédications, to pray. De prier. But Lord, we've been lazy with our homework. Mais Seigneur, nous étions paresseux avec And nos many times, devoirs. Lord, we have even missed our test. Et plusieurs fois, nous avons même manqué de faire test, nos devoirs. Lord. Nous avons échoué à nos When devoirs. Situation came around, Lorsque les situations sont venues, we completely forgot about the teaching. Nous avons complètement oublié à propos de l'enseignement. We completely forget about what we've been taught. Nous avons complètement oublié ce que nous a été enseigné. God, Oh Dieu. We need you more than gold, more than silver. Nous avons besoin de toi plus que l'or, plus que l'argent. Viens ôter l'incrédulité. Laziness, oh God. La paresse, oh Dieu. Worldliness, oh Father. Worldliness. La mondanité. That has come to cripple our faith. Qui est venu affaiblir notre foi. In the teaching of the word. Dans l'enseignement de la parole. By the prophet messenger of this last days. Par le prophète messager de ces derniers jours. Lord, humble our hearts, I pray. Seigneur, humilie nos cœurs, je prie. Forgive our mistakes. Pardonne nos erreurs. Forgive our shortcomings. Pardonne nos transgressions. Forgive our failures, Lord. Pardonne nos échecs, Seigneur. Lord, don't look at each one of us, oh Father, the way we look now. Seigneur, ne regarde pas tout un chacun de la façon dont nous paraissons. To each one through the blood that you shed upon Calvary tree. Regarde à tout un chacun. Par le sang que tu as versé, pardonne nos transgressions, Forgive our iniquities, oh God. Pardonne nos iniquités, oh Dieu. Don't let anybody go out of this service with the burden of sin. Ne permet qu'aucune personne ne sorte ici avec le fardeau du péché. Don't let anybody go out of this service with laziness, Almighty God. Ne permet pas que qui que ce soit quitte ce service avec la paresse. All those demons out of your children in the name of the Lord Jesus Christ. Nous chassons tous ces démons de tes enfants au nom de Jésus. May your grace come upon each and every one. Que ta grâce vienne sur tout un chacun. That they may go stronger and stronger day after day. Afin qu'ils puissent partir de force en force chaque jour. As you said, man shall not live by bread alone. But by every word that comes out of the mouth of God. Comme tu le dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais toute parole Lord, qui sort de la bouche us de live Dieu. By the word. Seigneur, aide-nous à vivre par la parole. That has come out of the mouth of God, your prophet in these last days. Qui est sorti de la bouche de ton prophète ces dernières. Bless these words upon our hearts. Bénis ces paroles dans Let notre cœur. Let it bring after its own kinds, Lord. Que ça nous apporte. And bless your children who have been. They listen to your word. Selon leur espèce, et bénis tes enfants qui écoutaient la parole. We commit the service on Sunday in your hands. Nous abandonnons le service de dimanche en tes mains. May the Holy Ghost guide us and give us what is spiritual food in due season for your children. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider et nous donner la nourriture convenable à la saison destinée pour We thank tes enfants. You for love and grace. Nous te remercions pour ta grâce in the name of Jesus we have prayed. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. He wasn't looking at me. Oh yeah. When he took me in, he wasn't looking at my heart. So black my sin. He was looking at the blood flowing rich and free. That precious blood.
tous, on se voit le dimanche, Dieu veut.